Salut tout le monde, c'est Floralie et ça se peut que vous soyez tanné d'être chez vous à pas bouger à cause de la pandémie. Alors je pense que vous allez être très content de savoir qu'il y a un tout nouveau festival qui arrive à Gatineau pour vous faire bouger en masse. Charles-André Larocque, vous êtes kinésiologue, mais également directeur régional ici à Gatineau, Ottawa, pour l'organisme Bouge Bouge. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire pendant ce festival, pendant ces 6 journées? Donc, la première édition du festival Bouge Bouge qu'on lance cette année, ce sera les 18 districts de la ville de Gatineau, d'un bout à l'autre, qui vont s'animer en même temps. Il y aura des activités variées et accessibles et inclusives pour vraiment l'ensemble de la famille. Donc, il y aura des activités pour les jeunes, pour les ados, pour les familles. Il y aura aussi des activités pour les personnes âgées. Donc, ça va être varié. On va avoir du yoga, du baseball, du qigong, de la pétanque, vraiment pour tous. Puis, ça va être offert gratuitement par les intervenants sportifs locaux. Parce que l'objectif, c'est vraiment de mettre en contact les gens de leur propre quartier avec les intervenants sportifs pour qu'ils découvrent c'est quoi qu'ils peuvent faire à proximité de chez eux. Oui, parce que le risque avec la pandémie, c'est de ne pas bouger, hein? Mais c'est aussi de faire de l'activité physique parfois en ligne avec des intervenants qui sont ailleurs au Québec ou même ailleurs dans le monde. Et parfois, on perd la notion de ce qui est possible directement à côté de chez soi. Alors, Charles-André, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant, là, avant le festival, pour vous aider à l'organiser? En ce moment, on est en campagne de sociofinancement. Donc, les gens peuvent aller voir ce qu'on offre sur notre plateforme, sur La Ruche. Vous pouvez vous procurer des items de bouge-bouge comme la casquette, le bandana, on a des gourdes. On a aussi d'autres contributions que les gens peuvent faire. Donc, on est à la recherche de bénévoles parce qu'un festival de cette ampleur-là, on va avoir besoin de beaucoup de personnes pour nous aider. On est à la recherche des intervenants sportifs eux-mêmes pour offrir les activités dans les parcs. On est aussi à la recherche de commanditaires, que ce soit monétairement ou aussi à donner des cadeaux. On a déjà plusieurs partenaires qui nous ont offert des certificats cadeaux pour qu'on fasse découvrir leur boutique, leur commerce aux citoyens aussi. Et moi, en terminant, je vous dirais, là, inscrivez dans les commentaires quel intervenant sportif vous aimeriez avoir pendant ce festival, lequel vous aimeriez qu'on découvre et peut-être qu'on l'aura pendant le festival, pourquoi pas. Alors, au plaisir de voir plein de citoyens gatinois bouger en même temps en juin. Merci beaucoup, Charles-André. Merci. Denis Auto, transporteur officiel de Gatineau.tv. Gatineau.tv.